Koba? La même, l'unique. Tu es venu faire des palabres ou tu es venu en ami? Je suis venu t'annoncer l'existence de Tchadé. Ah bon? Ah mais oui. Mais moi aussi je vais bientôt te licencier si tu n'arrêtes pas d'être aussi radé avec moi. Hey. Donne-moi ton téléphone. Hey. C'est à toi et à toi seule que je voudrais parler. Mais tu sais que je ne t'aime pas. Hein? Ça veut dire quoi? Pour que tu disparaisses de la vie de Wahala. Vous devez 10 215 000 francs CFA. 10 millions? Je ferme l'atelier, je vous enferme, je saisis les machines et j'enferme vos apprentis. Votre mari, monsieur Wahala, il est en train de subir les assauts d'une femme avec qui il a été autrefois, mais qui veut tout faire pour vous l'arracher. Tu es un salaud, Wahala. Ah bon? Oui. Lâche-moi. Je veux mes apprentis. Vous savez que quand une femme est enceinte, le moindre choc peut provoquer une anomalie. Enceinte? Bien sûr. Ma copine, il m'a déclaré la guerre. Tu vas le voir? Mais hey, qu'est-ce qu'il fait? Alors, ma chérie, tu n'as pas à avoir peur. Ce sont des amis. Ils veulent t'accueillir comme une princesse. Je dis, je ne veux pas descendre. Ah, mais tu n'es pas un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Ma fille! Je veux ma fille! Qu'est-ce que tu veux? Je veux ma fille! Tu es devenu fou! Je veux ma fille! Oh, pardon! Attends, tu vas voir! Pardon! Pardon! Tu veux scandale? Sourou! Sourou! Sourou quoi? Je veux ma fille! Tu veux scandale? Pour une semaine, tu vas où? En Europe! Chérie! Inconnu, nous attaqué? Hein? Battu et enlevé Folaré. Quoi? C'est quoi toute cette foule ici? Bonjour, Bonjour à Koba. Bonjour. D'ailleurs, il est temps de partir. Hein? Tu veux que je te supplie? Alors, je te supplierai. Votre attention, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Nous prions les passagers de bien vouloir effectuer la formalité d'enregistrement de police. Allô? Oui? C'est bien moi, Julien Gabo. Oui, je viens d'arriver. Toi aussi, j'ai pas envie de me casser la tête. Viens plutôt. Je suis dans la rue... Attends. Pardon. Comment on appelle cet endroit? La cabine juste derrière le marché. Merci, monsieur. La cabine juste derrière le marché. Tu viens dans combien de temps? Dans 10 minutes. Merci à toutes. Merci. Change un peu de tes chiffons que tu coupes à longueur de journée. Akuba, je ne vais pas bouder mon plaisir, hein? Mm-hmm. Ça me change bien. Voilà.
Mais dis-moi, on ne va quand même pas utiliser ton caoutchouc là. Hein? Mmh. Ça mérite la peau. On va trouver de meilleures qualités. La meilleure manière et la meilleure qualité, c'est de le faire ça. Tu plaisantes ou quoi? C'est de la plaisanterie? Tu as peur? De quoi as-tu peur? Que je te fourgue un bébé surprise? Non. Je ne suis pas folle pour te faire un enfant. Et d'ailleurs, à mon âge, on n'en fait plus. Kakou! Kakou, mon ami! Comment? Soli? Je te présente Beyoncé. Ça. Tu nous amènes dans la chambre. Hein? C'est la petite. Qui t'a dit ça? Elle n'est pas petite, hein? Quoi? Si tu la vois feigner comme ça, mais elle peut avaler un éléphant? Non. Ça va. Hein? Non. Non, non. Tu ne veux plus faire l'autre business avec moi? Oh, si, bien sûr. Oui, je vais faire. Ah, laisse-moi faire. Petite. Je te dis de me laisser faire. Demain, je vais t'amener chez un type. Et tu verras. Toi-même, tu sais prendre le matin. Et puis? Quelque chose. Ah, coucou. Mais c'est pas ce qui avait été dit entre toi et moi, ça. Quelque chose. C'est bon. Oh, coucou toi. C'est tout pour moi. C'est bon. Dégueu. Alors, viens ici. C'est bon. Dégueu. Coucou. Ouais, coucou. Tu vois le danger partout. Tu vois. Je t'ai déjà fait un enfant. Et ça me suffit. Tu ne vas pas remettre ça. Hein? Avec ton histoire d'enfant là. Comment une histoire? Tu penses que c'est du délire? Je n'y crois pas du tout. Tu as inventé cette histoire pour te rendre intéressante, c'est tout, hein, ma chérie? Tu me crois capable d'une telle plaisanterie? Et d'ailleurs, regarde, tu sauras de quoi je parle. Elle me ressemble, celle-ci. Hein? Elle me ressemble. C'est ta photo crachée? Ma photo crachée, oui. Hein? Elle a ton nez, ta bouche, tes oreilles. Ça ne me dit pas grand-chose. Ah bon? Mm-hmm. Le jour où tu vas la voir, tu seras plus édifié. Tchadi. C'est comme ça que tu l'as appelé, non? Oui. C'est bon? Tiens. Attention, on te renvoie ici. Hein. C'est ça. Moi. D'accord. Je vais dire, madame. Voilà, je vais dire, madame. Je vais dire, madame. Bon. Ça m'est. Hey, Kakou. Oh, Kakou,
Hein, mon argent. Kwaku. Kwaku. Hey. Petit. Dion. Moi, je suis pas petit. Dion. C'est quoi ça? Kwaku. Hey. Avec petite fille comme ça. Allô? Masso? Oui, viens me voir s'il te plaît. Que te fous ici, toi? Et toi, Clo-Clo, tu as perdu quelque chose? Oh! Pourquoi tu me touches ainsi? C'est moi, Julien Gabo. Comment ça, c'est toi? Oui, c'est moi. J'ai juste pris sa voix, c'est tout. Je pensais que tu étais à l'hôpital. Dégage de mon chemin! Tu sais que j'ai bien fait de venir ici. Pourquoi tu nous as menti comme ça, hein? Et où se trouve la petite? Beyoncé. Tu sais, on a la chance. Mon patron, il n'est pas là. Ou bien, Beyoncé. Dans un an, là, j'aurai ma libération. Et je vais ouvrir un grand atelier. Et tu seras ma secrétaire particulière. Mais moi, je vais à l'école. Quelle école? Quelle école, Beyoncé? Tu as doublé la sixième. Et tu vas encore tripler la cinquième. Ça prouve effectivement que l'école et toi, vous êtes fâchés. Mais non, mais de quoi? Mon père menace de me marier à un vieux du village si je redoublais encore. Tu vois ça. Il suffit d'attendre un peu seulement. Puis on sait. Et tu verras. Tu as intérêt à me laisser tranquille. Je suis ici dans mon marigot. Ah oui? Et je connais plein de gens qui feraient n'importe quoi pour moi, rien que pour coucher avec moi. Ah oui? Mais n'oublie pas que moi aussi, j'ai porté plainte pour enlèvement. Contre moi? Ben, oui, contre toi. Contre qui d'autre veux-tu qu'on porte plainte en pareille situation? Si tu ne me dis pas tout de suite où se trouve la petite, j'appelle la police. Ok. Ok, tu as gagné. J'ai dit tout de suite. Elle a de la fièvre. Il faut peut-être l'amener dans un centre de santé. Non. Non, attends. Il faut que je prévienne son mari. Non, faut pas. Ne lui dis rien. Non. Attends. Il doit savoir. Il doit savoir. Qu'il soit dans la cuisse d'une autre femme ou dans un trou. Il faut qu'il sache qu'il a laissé une femme à la maison qui a des malaises. Oui, allô? Oui, c'est Marceline au téléphone. Marceline, ça va, ouais? Vraiment, on ne l'a pas encore retrouvé, hein, on y travaille. Mais je t'appelle au sujet de Fifi. Il faut que tu rentres tout de suite. Elle a des malaises, rentre vite, s'il te plaît. Hein? Elle a besoin de toi. J'ai pas beaucoup de crédit, hein, rentre vite. Wa, wow. Tu ne peux pas me faire ça. On n'a même pas fait 48 heures. Je t'ai dit que je reviendrai, non? Tu reviendras et tu prends tous tes bagages. Anafia.
en ce moment, est très fragile. D'accord? Sa grossesse lui crée pas mal de problèmes. T'inquiète. Je le sais. Sika, oui, va voir ta Simon Jack et toi, le voisin là. Oui. Dis-lui qu'on a besoin en urgence de son service. D'accord. Non, mais fallait pas, non. Il faut le faire. Hein? Ça va. Ça va aller. Hein? Mais c'est pas trop grave. Hein? Tu sais, lorsque moi-même j'étais enceinte de Folade, j'ai eu des troubles. Hein? Mais il faut aller à l'hôpital pour en avoir le cœur net. Ça va aller. T'en fais pas. Tandis, Jack il t'en dort encore. Sa femme a dit qu'il a fait la fête hier nuit. Quoi? Va lui dire que s'il ne vient pas tout de suite amener Fifi à l'hôpital, que j'irai raconter à la police que sa voiture n'a pas les papiers en règle. Va le lui dire. Tandis, ça là c'est plus fort que moi. Hein? Ça va bon, passer. Allez, laisse-moi, je viens, j'y vais moi-même. Ah. Elle est enceinte et alors? C'est pour ça que tu parles à voix? En ce moment, elle ne se sent pas bien. Il y a menace. D'accord? Menace de mon cul. Ah bon? Rassure-toi d'abord que cette grossesse est la tienne. Ah bon? Donc tu me crois incapable d'enfanter? C'est ça? Monsieur veut partir. Alors, ciao! Attends. Si tu doutes de moi, ça veut dire que l'enfant dont je serai le père n'est pas le mien. Pense tout ce que tu veux. Il n'existe que dans ton imagination. Pense tout ce que tu veux. On en reparlera. Je dis bien, on en reparlera. Alors Mathieu, tu es là? Bonjour. Tu peux me composer ce numéro s'il te plaît? Dis-moi, ta petite copine n'est pas arrivée aujourd'hui? Vous voulez parler de Samira? Oui. Ah, c'est pas ma copine, c'est ma fiancée, tenez. Elle n'est pas là, vous la connaissez? Bien sûr, on a fait la faculté ensemble. Ah. Et je la trouve très jolie. Oh, vous êtes aussi très belle, tenez. Merci. Allô? Oui, Tubus. Oui, c'est moi. S'il te plaît, j'ai un petit souci là. Papa n'est pas là et puis j'ai des TD à reprendre. J'ai besoin de 25 000 francs pour cette TD là. Tu peux m'en trouver s'il te plaît? Non, je vais te rembourser dès que papa rentre, d'accord? Mince! Non mais trouve-moi ça chez ton ami Oussouf. Ok. Merci beaucoup, c'est gentil. Allez, tiens. Dis-moi, combien je te dois? Non, c'est gratuit. Tu es un ange. Écoutez, ça va. Ça va. Vous ne pouvez pas avoir tous ces problèmes et... Merci, dis-moi, viens. Non, écoute. Tu sais que ta copine a de la chance de t'avoir? Bon... Je fais de mon mieux pour la rendre heureuse. Je crois qu'elle m'aime bien. C'est ce qu'on va voir. Si tu ne me montres pas la petite, tu vas me sentir. Tu verras de quelle voix je me joue. Dis-moi, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu as? Non, tu me fuis? Pas du tout. Oh. Je ne vous fuis pas. C'est que... Qui te fait la cuisine quand ta fiancée n'est pas là? La cuisine? Oui. Non, ça va, je me débrouille bien, moi. Non, on dirait pas. Bon, mais écoutez. Ce qu'on va faire, voilà. Je t'invite ce soir pour un dîner à deux. Non, t'inquiète, non. Personne n'est là. D'accord? On a toute la maison à nous. Je croyais que vous étiez dans la dalle et que non, vous n'avez... Non mais attends, il y a à manger à la maison. Et on dit que je suis une très bonne cuisinière. Non mais qu'as-tu? Non, ça va. D'accord, je t'espère ce soir. Bon, d'accord. Ce n'est pas à toi que je m'adresse. Ce n'est pas en t'agitant comme ça que tu la verras. Clo-Clo, pourquoi tu nous fais ça?
Flodé est pourtant ta nièce. C'est-à-dire la fille unique de ta propre sœur. Si tu ne me verses pas 200 000 francs, je ne te la laisserai pas. Tiens, 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 tiens. Tu réclames clairement une rançon avant de la libérer. Arrange-toi pour me trouver l'argent. C'est quoi cette histoire? Tu es malade ou quoi? Allons-nous, Géwea? Tu es folle? Je vais ouvrir un compte pour ma nièce avec cet argent. De mieux en mieux. Et c'est sa mère qui va le gérer. C'est de l'argent en garantie pour ma sœur et son enfant. Est-ce que moi je suis incapable de veiller sur elle? Exactement. Pillon de CC. D'accord, c'est bon. Arrête ça, j'aime trop ça. Tu vas me tuer, maman. Pour faire du jeune coup à la mode, pas les mémoriements des jeunes filles. Hein. Tu ne me connais pas. Avec moi, là, la haute couture, c'est la classe. C'est vrai ça. Non, mais mon patron, il me connaît. Lui, il ne connaît rien ici. Hein. C'est pas que je le dénigre, mais quand même, ici, il a confiance en moi. Il me confie tout. Je vois. Au fait, ce sera mon talent d'anniversaire. Tu l'as bien deviné, Beyoncé. Tu l'as très bien deviné. C'est bon. Ce que nous allons faire là, Beyoncé, prends ceci. C'est pour ton déplacement d'abord. Toi aussi. 2000 francs, qu'est-ce que tu veux faire avec? Prends ça d'abord. En ces derniers temps, je suis fauché. C'est ça le problème. Tu dis être entrepreneur. Mais tu n'as aucun sou. Le peu d'argent que tu as, tu le gaspilles en compagnie de petites filles. Maintenant, toi, tu veux gérer mes affaires alors que tu n'as pas fini de gérer les tiennes. C'est ma famille. Et ça me concerne. Et tu crois que Marceline sera d'accord avec toi? Elle ne saura rien de ce qui s'est réellement passé. Je compte sur toi pour ne rien dire, sinon je vais inventer des histoires sur ton compte. Parce que tu vas me coudre le bec ou quoi? Je vais coucher avec tous les magistrats de ce pays pour qu'on t'enferme ma vie. Tu es malade. J'ai oublié que tu n'as jamais mal au cul. Tu es pire qu'une poule. Même si tous les traits de la terre te passaient dedans. Chiant. Hein, prends ça là d'abord. On se reverra dans 3 jours. Tu n'as pas confiance en moi. Bien, c'est. Hein? Toi, hein? Heureusement que je suis déjà vacillé comme tout ça là. Qu'est-ce que tu décides? Rien. Très bien. Nini, gangan, tu n'auras. Tu joues à quel jeu là? Allô? Commissaire Zocli. Je viens d'échapper à une tentative de viol. Oui! Qu'est-ce que c'est ça? Mon beau-frère, oui! Il est en face de moi! Oh non, non, il revient! Oh, il revient! Oh, commissaire, sauve-moi! Sauve-moi, il revient! Qu'est-ce que tu as? Ça, c'est quel jeu, ça? Tu es vraiment folle, hein? Mon cher, tu vois comment je fais marcher les gens ici? Tu es complètement déréglé, hein? Tu as chance que tu aies ma belle-sœur. Sinon, j'allais te... Allô? Oui, bon, je viens de finir avec la Lolitas, là. Hein, tu peux passer. Viens me voir à l'atelier. Ah, d'accord, d'accord.
Ozedo koe, mi kambia sumeru,